Cosa non dicono? Non pronunciare il nome di Dio in vano. Paul, regarde-moi. Slipe your house, called Klaus. Et 23. Trop clair, ton bleu. Je ne sens pas le souffle de la confrérie, à moins d'avoir le ventre bien rempli. In Paris, c'est de vivre dicker dans une entrepôt. Et à Firenze, c'est le plus grand qu'à Parigi. À Chéchirus, mais elle, qui a dans Moscou. À Moscou, la Trementina sta gelando nei vasi. Qu'est-ce que tu chantes, Florentin? Des histoires de mouches qui gèlent dans la térébenthine. Babbelen en denken gaan niet samen. Maître, vous savez bien que les Français n'entendent que le français. Le maître dit que la bavarderie contrarie le travail. Ta Vierge est marmiteuse, Nicolas, et tes couleurs ne s'aiment pas. Pardonnez-moi, c'est que je n'ai point de plaisir à copier. Tu ne copieras jamais assez, Nuit. Les raves bien cuites font les bons ragoûts. Pour une goede witsepot moeten de rapen lang stoven. Paul, redresse ta tête. Et cesse de tribouiller. Tu vas partir, Mathieu. Le duc d'Olivares de la maison d'Espagne vient de me passer commande d'un portrait. Toi qui n'as pas encore de nom, je t'ai choisi. Tu partiras demain pour le château d'Annette. Le duc y séjourne jusqu'à la Sainte-Bertille. Ça te laisse 19 jours et 3 dimanches. Tu viendras me rendre compte au deuxième. Ne t'alarme point de l'or qui accompagne leur quotidien. Tu ne verras jamais le crêpe qui couvre leur tourment. Tu seras accueilli par Hugo Van Melle, un homme de qualité que j'ai connu chez mon père à Anvers. C'est ici. Je vous souhaite la bienvenue. Le maître Probus a dû vous parler de moi. Remettez-vous-en à moi chaque fois qu'il vous sera nécessaire. Je vous suis fort obligé. Il convient que je vous dise les souhaits de son Excellence concernant votre travail. On viendra vous chercher chaque matin lorsque son Altesse, l'infante Marguerite Éléonore, sera prête. Vous pourrez portraire tous les jours, excepté le jour du Seigneur. La posture conforme vous sera signifiée par Monsieur le Duc. Je suis le serviteur de Son Excellence.
He aquí el pintor de su Alteza. El mejor alumno de mi amigo Franz Purbus. Un portrait. Toi qui n'as pas encore de nom, je t'ai choisi. Fais ce que je t'ai appris à faire et n'ai d'autre souci que d'honorer l'atelier de Franz Purbus. Dejad que su Alteza vaya a rezar. Que Dios os guarde. Nourris ta réflexion des portraits que tu as copiés dans mon atelier et des portraits de mon maître et de ceux encore du maître de mon maître. À la izquierda. Pardonnez-moi, à l'opposite, à gauche, à la gauche de votre Altesse, vers la lumière. Perdonadme, à la inversa, à la izquierda, hacia la luz. Oui. Aquí el pintor de su Alteza, el mejor alumno de mi amigo Franz Purbus, el mejor pintor, Alteza, Mathieu, el mejor pintor.
Le chapeau? Pourquoi le chapeau? J'ai déjà peint la coiffure, sans le chapeau. On ne saurait changer chaque jour. Ce chapeau ne sied ni à son Altesse, ni à mon portrait. Monsieur Van Melle. Je ne saurais satisfaire à des changements dans la coiffure. Son Altesse doit être recoiffée. L'étiquette ne permet pas que vous soyez assis à moins de 20 pas de son Altesse. La personne dont tu vas faire le portrait vient d'un pays austère, violent dans ses lumières, violent dans ses passions. Trouve cela en toi. He matado tres lobos.